Vous vous rappelez ce qu'a dit Rabbi Ouda au nom de Shmuel? Il a dit que un homme peut le Shabbat écraser une grappe de raisin sur le Ohel parce que de c'est Tochaker à Kedera, mais pas les Tochakéara. Yara. Kedera, c'est considéré comme Yara, Khlim. Khlim. c'est pour masquer. Et quand C'est Robert et Madame Lévy qui sont à côté de l'autre. et Rav Hasda nous a dit que midi vrai Rabbeinu. De ce qu'a dit Shmuel, on apprend qu'on peut traire une chèvre le jour du Shabbat, les Tochakedera aussi. C'est la même chose que le Eshkol. Ça va? Le Eshkol, quand il l'écrase, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Disha, il fait Mefarek, il sépare. Le cholève, celui qui trait le lait, il est mépharek aussi. Mais s'il est mépharek, les tochakedera, c'est-à-dire les tochaochel, c'est bon. Avalo les tochakeara. Alors, il y a une conclusion. Ça veut dire que le mashke qui est directement sur le ochel, qui va directement sur le ochel, comment on l'appelle? Ochel. Ochel. Et quand il ne va pas directement sur le ochel, il est Il reste appelé masqué. masqué. Ça va? Bon, maintenant, Rami Barhama, il s'objecte, lui dit celui qui est. Relève sur le ochel quand il est masqué. Regardez Rami, Métier Barhama, Zav Shaholev et un Zav qui est tamé. À partir du moment où il sort le premier liquide, ce liquide est Jamais. tamé. Viamart Mashke Abala Ochlin Ochelu Bemaet Keshar. Il dit, si tu dis que le Mashke qui va directement sur le Ochel est appelé Ochel, qu'est-ce que tu es en train de me dire que le Zav qui a trait le Aiz sur le Ochel, il est tamé sur Ochel? Comment il a été mitamé? Si tu dis que le liquide qui est sorti de la chèvre n'est pas un liquide, c'est un ochel. Ça va, vous Oui, comprenez? parce Alors que il lui dit, Beti parishona amlachlechet et tadad. C'est-à-dire que c'est la première goutte qui est melachlechet et tadad. Celle-là, du fait qu'il ne veut pas la garder, c'est considéré comme un masqué. Et ces tipas, il a suffi de ces tipas qu'elle touche. Et ces tipas étaient mais t'as Rabina, Rabina, il s'objecte à cela. Il dit, celui qui presse un tamémet,
c'est pas un Zav. Le Zav, même quand il porte, quelque chose, il est métaméota. À partir du moment où il a pressé, il a en main une goutte de lait, cette goutte de lait est téméa. Tandis que le tmémet, afilou bemaga, il est bemaga ou massa. Alors, tmémet, chez Sahat, Zetim va anavim, kabetsa, bekabetsa. Alors, c'est ça ce que nous sommes en train de voir pour rentrer dans notre problème. Il a pressé Zetim va anavim, des Zetim et des anavim, et on a dit les Zetim et anavim, puisqu'ils sont destinés à être écrasés pour le jus. Tout jus qui sort, soit spontané, soit par la pression, soit que les étimes soient les ochel ou que ce soit les mashkés, alors, mais il a kabetsa mechouvenet. Or, le ochel, il est tamé quand il a plus kabetsa. Kabetsa et plus. Kabetsa au moins. Maintenant, celui-ci, il a kabetsa. Quand il a pressé, il y a une goutte qui est sortie. Cette goutte qui est sortie, elle a diminué kabetsa, le volume de betsa. Ça veut dire qu'il avait, il avait kabetsa d'olive. Hein? Il avait kabetsa d'olive et il va presser tout ça. Parce que c'est dans conseil des olives, c'est au chêne. D'olive ou cabeza de raisin. Oui. Juste. Et parfait, oui. Et il va presser ça, le liquide qui va sortir, on va dire qu'il était pas, qu'il va pas être tamé parce que quand il a pressé, il y a moins que la que cabeza. Voilà, quand il a expulsé une goutte de ce jus, il y avait moins que de cabeza, c'est pour cela que c'est d'or. Ah ben, s'il reste yotermi kabetsa, ça veut dire en liquide, en ochlim. Ochlim. C'est ça. Il y a plus que ça. Là, une goutte ne va pas être suffisante pour... Bien sûr que oui. Non, s'il y a plus que kabetsa dans les anavim avant qu'il presse, on ne peut pas dire qu'une goutte, ça va... Ça va amoindrir. C'est sûr que non. Ça va, il va rester yotermi kabetsa, donc c'est tamé. Voilà, c'est vrai que dans le kabetsa mekouvenet qu'on peut compter sur cette goutte-là. Alors il lui dit, regarde, vi amrat mashke abale ochel ochelou. Si tu dis, quand il a pressé, sur quoi? Il a pressé, c'est sur l'ochel. Kedera. Quand tu presses, c'est pas tout de suite que ça sort en dehors. Tu presses ceux qui sont en haut. Ça sort. Et ça sort où? Ça sort dans le ochel. Donc, quand tu presses vers le ochel, ça s'appelle ochel. Alors, pourquoi tu dis tamé? Comment il a été mouchar le touma? Il faut que le liquide soit à l'extérieur pour qu'il soit mouchar le touma. Alors, Rabbina qui lui a posé la question, il a répondu à sa question. Oh, motivla, veu me farekla. Lui, il a posé la question et il a répondu. Il a répondu qu'il était en train d'écraser les tocha ke'ara. Donc, les tocha ke'ara, ce n'est pas du tout les ochel. C'est les masqués. Ça va? Bon, alors maintenant, c'est la suite. Oui. Amar Rabbi Ermiya. Rabbi Ermiya, il dit que Tannae. Tout ce que nous avons vu,
on retrouve la même, les mêmes opinions chez les Tanaïm. Et voici la Mishnah ou la Braïta. Amahlik ba'anabim l'ouchar. Rabbi Yehuda Omer l'ouchar. Amahlik ba'anabim. Ça, c'est un boulanger. Et quand il fait le pain, il mahlik, c'est-à-dire il le rend lisse. Ken, en mettant le jus de raisin dessus. Comme on fait maintenant avec l'œuf. L'œuf. Ça va? Il fait avec les raisins. Alors, il le faisait avec le raisin. Alors, il presse le raisin, mahlik, il presse le raisin sur... Sur le, la pâte, le pain. Sur le pain. Donc, il est tocha ochel. Oui ou non? Oui. Oui. Comment on a appelé jusqu'à présent celui qui presse la ochel? Ce masqué qui sort, c'est considéré comme quoi? Tamé. Ochel. Ochel. Tamé, si jamais celui qui presse, il est tamé. Non, là, c'est ochel. C'est moutard. Alors, nous avons. Moutard. Loquette. Alors, un mahlik. Ba'anabim, celui qui rend lisse. Soit avec en pressant les anavim à même le pain, l'ohurchar, le pain n'a pas été hurchar, c'est-à-dire il n'a pas été préparé à recevoir la touma. Pourquoi? Parce que le liquide n'est pas un liquide. Ce liquide, il a été directement sur le ohel. Donc, c'est un ochel et pas un mashke. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Yehuda Omer Hukshar. Rabbi Yehuda, il considère ce liquide comme étant un liquide et non pas un ochel. Alors, quel est le point de discussion entre Tanna Kamma et Rabbi Yehuda. Maïla Be'aka Mifalgé, n'est-ce pas, c'est ça le point de la discussion. Mor Sabar, Mashke Abala Ochel Ochelhu, Tanna Kamma dit que le Ochel qui est pressé directement sur un Ochel est considéré comme Ochel. Et donc, il ne peut pas conduire la tomba. Mor Sabar, Lav Ochelou. Et Rabbi Yehuda qui a dit, c'est un mashke et hirshir la pâte à recevoir la tomba. C'est parce qu'il le considère comme un mashke. Un mashke, non pas Ochel. Amara papa. Bara papa, il dit non, c'est pas ça, la, c'est pas ça la, leur querelle et leur discussion. Dikulé alma mashke abala ochel lav ochelou. Aussi bien Rabbi Yehuda que Tanakama, ils disent que le mashke qui est pressé directement sur un ochel n'est pas du tout considéré comme un ochel. Alors, c'est quoi la discussion? V'acha b'mashke haba la iboud kamifalke. C'est un mashke qui est destiné à sa perte, à la perte. Quand il presse sur le pain, que va faire le feu du four? Il va brûler ce masqué. Oui. Ce masqué, il va l'éboud.
il n'est pas du tout, il ne va pas rester liquide. Alors, du fait qu'il ne va pas rester liquide, il va s'évaporer avec la... avec le feu, la chaleur, alors il n'est pas considéré comme ashké. Tandis que Rabbi Yehuda, il dit ashké, haba la'ibud, il est toujours ashké. Ça va? Alors on continue, il dit, et cette mahloket de Rabbi Yehuda et Chachamim et Tanakama, c'est la même mahloket de Ané Tannaï. Viplukta de Ané Tannaï. C'est la même mahloket de ces Tannaïm, de Tanya. Amatseya. Amfatseya, bazitim, beyadai mesoavot, uchshar, le souftan bemelah lo uchshar, le da imigewu, zetav limsok, imlav lo uchshar, Rabbi Yehuda omer uchshar. Voilà. Abraïta dit, quand on a des olives et qu'on veut les attendrir, parce qu'on veut les, comment on appelle ça, on veut les conserver. Alors pour cela, ils blessent les étimes. Ils prennent un couteau, ils font deux fentes, une là et une l'autre là-bas, ou trois. Ça s'appelle potseya, petsa. Petsa tahat patsa. Une blessure. Petsa. C'est comme s'il y avait petah. Il fait un petah. Alors, aham fatseya bazitim beyadaim mesoavot. Avec des mains qui sont sales, ça veut dire sales, c'est sûr qu'il ne les a pas maintenues dans une tahara comme il faut. Ça peut être conducteur de Touma. Donc, en fatseya bazetim. Quand il ouvre les étimes, il les blesse. Il y a un peu de liquide qui sort. Mais il a les mains qui sont mis sur la botte. Il a les mains qui sont... T'es mis haute ou... sale. Ça veut dire qu'il... Sale de propreté. Ah, pas propre de... Ok, c'est pas une question de Touma et Tahara, c'est... C'est ça, c'est Touma et Tahara. Ah, ça veut dire qu'il n'a pas gardé ses mains propres. Okay. Il n'a pas surveillé ses mains, il n'a pas contrôlé ses mains. Or, les mains sont des touches à tout. Il aurait dû faire un étila, par exemple, avant de commencer ce travail avec les étimes. Oui, il n'a pas fait un étila. Ok. Hukshar, ces étimes, ils sont porteurs, n'est-ce pas? Ils peuvent être contaminés par la Touma. Les sauftan bemela, mais si ce n'est pas pour les blesser et faire sortir leur jus, mais les blesser pour remplir de sel, pour les saler. Donc, il n'a pas besoin de... Du liquide qui est sorti. Du liquide qui sort. Ça va? Donc, les sauftan bemela, pour les remplir de sel, l'ohukshar,
ça n'a pas été Mekabel Touma. Prêt à être Mekabel Touma. Donc, chars ne sont plus, ne sont pas du tout en, en présence de, comment on appelle ça, capable de recevoir la Touma. Kacher, kacher, c'est capable. Rabbi Yehuda Omer, pardon, Lida im Higiao, Zetav Limsok, Imlab. Fila, il a pris une échelle et il a examiné les olives pendant qu'ils sont sur l'arbre. Il les presse pour savoir s'ils sont mûrs pour qu'ils puissent les cueillir. Limsok, limsok zetim, c'est-à-dire pour cueillir les zetim. Alors, il les presse pour savoir s'ils sont mûrs, s'il y a assez de jus là-dedans. Alors, il va les cueillir. Donc, il n'est pas intéressé du tout de les prendre à ce moment-là. Il est intéressé par l'huile. Il n'est pas intéressé par l'huile, il est intéressé à examiner seulement. Oui, mais l'examen, il va donner quoi? Si l'olive est prête. Mais il ne le fait pas pour recueillir de l'huile. Mais il fait pour vérifier s'il y a l'huile dedans pour voilà. Pouvoir recueillir. Il vérifie, mais ça ne veut pas dire pour recueillir. Ben, c'est pour cueillir les autres, mais cette olive-là, c'est juste pour vérifier l'état. C'est tout, vérifier. Il fait, comment on appelle cela, un test. Et Miguel aux établissements, sauf si ces olives sont arrivées à point pour être cueillies, il me lave, sinon il les laisse. Ils n'ont pas été mouillés pour qu'ils soient conducteurs de Touma. Rabbi Yehuda, il dit Hukshar. Rabbi Yehuda dit Hukshar. Alors, quelle est la mahloket? On a vu le premier qui a dit si c'est le jus et il veut le jus Hukshar. C'est pour cela qu'il les a blessés. Mais si c'est pour mettre du sel, le Hukshar. Si c'est pour les tester, le Hukshar. Et Rabbi Yehuda, il dit Hukshar. De quoi ils sont mahlokim? Maïla beha kamifalge, n'est-ce pas que leur discussion est la suivante? De mor sabar mashke haomed li boud mashke hu. Mursabar, la mashkehu. C'est-à-dire, on vient confirmer ce qu'on vient de dire tout à l'heure, que Rapapa a dit, c'est pas mashke qui va sur le ochel et est considéré comme ochel, et mashke qui va dans la kehara, c'est considéré comme un mashke, c'est pas ça du tout. Et la mashke qui va à l'Iboud, ce n'est pas un mashke. Et le masqué qui ne va pas les boules, c'est un masqué. Amar Abuna, Bered de Rabbi Yehoshua. Bar Abuna, le fils de Rabbi Yehoshua, qui était l'ami de Rapapa, le collègue de Rapapa, c'est Rapapa et Rabbi. Rabuna, le fils de Rabbi Yehoshua, sont des collègues tout le temps, les deux. Ils ont presque les mêmes habits. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Hanet na'e, tanna'e, be mashke, aomed li bout pligé. C'est tanna'im. Ils sont holkim. Ils sont en discussion à propos du liquide qui est destiné à la perte, à être perdu. Holkim. Et
Tandis que c'est-à-dire Anach Tanae, les premiers Tanaïm qu'on a vus à propos de Mahlik. Avec le pain. Avec le pain, c'est Mashkea Omed Leiboud. Dans les étimes, ce n'est pas Omed Leiboud, à Omed Leitzah Tsehou, pour le rendre beaucoup plus clair et lisse, c'est-à-dire Leitzah Tseah. L'huile, quand elle sort, elle rend le livre brillante. Là, il dit, c'est Tanaïm qui parle de l'olive avec Rabbi Yehuda, et son Holkim, à propos du masqué que je veux sortir les tzatzéhu pour rendre l'olive plus metzotza, plus clair, plus brillant. Amar Rabbi Zira. Amar Rav Hiya Barashi, Amar Rav, tous ces Hachamim, c'est au nom de, donc Rabbi Zira, dit au nom de Rav Hiya Barashi, qui dit au nom de Rav, Sohet Adam Eshkol Shel Anavim Letoch HaKedera, Abal Lo Letoch HaKeara, Letoch HaKedera, à l'intérieur d'une Kedera, et non pas les Tocha Keara. Bedag les Tiro, Afilo les Tocha Keara. Et un poisson, quand je veux le presser pour sortir son jus, Ken, même les Tocha Keara, c'est permis. Ce n'est pas du tout un masqué. Otam, Amar Rabbi Zira, Amar Rabhiya Barashi, Amar Rav, Sohet Adam, Ishkol Shera Navim Letoch HaKedera. Letoch HaKedera parce que c'est Ochel. Alors, donc le masqué qui va dans le Ochel est appelé Ochel. Aval lo letoch hakar. Même le plat, l'assiette qui est vide, si c'est comme ça, ça devient un masqué. Également, dag letiro, s'il presse un poisson pour tirer le jus qu'il y a dans le poisson, afilo letoch hakar. Même si c'est à l'intérieur de Kéara. Ça va? Parce que un poisson, est-ce qu'il a du jus? C'est tout simplement, tu le presses, quand tu l'as lavé et il a sorti son sang et tout, il laisse, après, comment on appelle cela, il dégage un petit peu de liquide. Ce liquide, ça s'appelle tir. Ce n'est pas un jus. C'est une sauce, tire. Comme une sauce. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ils ont cuit le poisson, là, non? Ils ont fait un bouillon. C'est ça, tir, non? Non, ce tir, tu peux prendre un peu de sel et le boire. Ah, ça, c'est un... OK. C'est pas le tir comme Beivrit. Tir, c'est un bouillon. Ben, bouillon, mais celui-là, c'est un bouillon froid. Il n'est pas bouillon. Rabbi, je n'ai pas compris une chose juste avant, avec les tzartzechot des étimes, là. Est-ce qu'on parle de tzartzer, c'est comme le achlaka qu'on fait sur le pain, avec le anavim? Mais c'est... Là-bas, c'est le pain que tu es en train de... Betzartzer, ou Mahlik. Ah, les tzartzer de Mahlik. Voilà. Alors, les tzartzer, quoi ici? Ici, les tzartzer, les étimes.
ou faire un liquide clair. Mashke omed le tzartecho. Des fois, à cause de l'hébreu, je me trompe. Les tzartecho, c'est brosser. Irtuach. Mais peut-être de l'eau cachou. Brosser, c'est pour le rendre clair, brillant. Tzach. Tzach. Les tzartecho. C'est-à-dire, les étymes eux-mêmes, quand ils vont être baignés dans ce liquide, ils vont être clairs. Tu vois bien les étymes quand ils sont blessés. Et tu les as conservés. Mm-hmm. On dirait qu'ils sont huileux et ça brille. Alors, c'est de ça qu'il parle maintenant. Mais oui. Il y a un mot d'arabe. Dit Véanartanaï, et ces autres, ces Tanaïm là-bas, ils se disputent à propos de les Sarsero. Mais lesquels exactement? Parce qu'on avait vu de Rav Papa, on était à Rav Papa en fait. Rav Papa, il a apporté une braïta. Cette braïta, elle parle de celui qui aplatit, qui rend lisse le pain. Oui. Alors, les Anavim, quand ils lâchent leur jus, ce jus n'est pas considéré pour Tanakama comme un jus. Tandis que pour Rabbi Houda, c'est considéré comme un jus. Okay. Oui. Alors, Rapapa, il dit, quel est le point de la discussion? C'est que celui qui dit que ce n'est pas un jus, Hachamim, Tanakama, il dit c'est parce que ce jeu-là, il est destiné les Iboud. Oui. C'est-à-dire que quand il le met sur la surface du pain, il va brûler, il va s'évaporer, donc il ne va pas rester liquide. Tandis que oui. Rabbi Houda, il dit, même s'il est destiné à disparaître, ce jeu est un jeu. Hanne Hanachtanae, c'est ça. Hanne Tanae, c'est ceux qui parlent de Zetim de Fatseya. Zetim pour blesser ou pour les saler. D'accord. Ça ressemble exactement. Mais là-bas, c'est les Iboud, ici, les Sartseya, pour rendre plus clair, plus lubrifié. Donc, Rav, il dit, « Sohet Adam, Ishkol Anabim, les Toch, Akeara. » אבל לא לתוך לתוך הקדרה, אבל לא לתוך הקדרה. Également, il peut aussi presser d'agle et tiro pour sortir son jus. Ça va? Alors, יתיב רבדימי וכאמר לה להשמעתה. Rav Limi était dans Beit HaMidrash. Il a rapporté cette halakha. Amarle Abaye le Rav Limi. Abaye a dit à Rav Limi, Atun Mishime de Rav, Mantitun, vous l'avez enseigné au nom de Rav. Vous n'avez aucun problème.
Anan, Mishemé, Dishmuel, Matninan, Lave Kachalan. Tandis que nous, alors, regardez, en haut, on a dit Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Sohet Adam, Mishkol Shel Anabim, Letoch HaKedera, Aval Lo Letoch HaKeara. Là-bas, il n'a pas mis d'Agle Tiro, Shmuel. Ça va? Et on a posé pas mal de questions à Shmuel jusqu'à présent. Alors, tandis que vous qui l'avez enseigné au nom de Rav, vous n'avez aucune question. Parce que Rav a dit le nom de Dag. Il a donné plus de clarification avec le tir du Dag. Oui, oui. Mais Bekashi Alan, et on a à se poser la question, mais Amar Shmuel Dag le Tiro, Afilo le Tocha Keara, est-ce que Shmuel est d'accord avec Rav? Est-ce que Shmuel serait d'accord avec Rav s'il presse un poisson pour tirer le jeu le Tocha Keara? Et quelle est la kushia? Je crois que Dodo. Karabenu. Bon, je vais aller comme ça. Il faut faire Vaïchem. On finit le chiot. Il dit Beha Itmar. Kevashim. Shesehatan. Aba Amar Rav Legufan Mutar le Memehen Patur. Kebashim. Kebashim, c'est-à-dire des variantes. C'est lorsqu'on met des légumes à conserver. Une fois qu'ils sont conservés, il les presse, il sort le jus. Amarav legoufan moutar. Si pour les manger comme ça, le jus qui sort, c'est moutar. Et même Shabbat. Abal, s'il a besoin du jus, c'est pour cela qu'il les presse. Les mêmes patour avalasour. Pourquoi patour avalasour? Est-ce que cette eau qu'il y a dans les variantes, c'est une eau qui est née avec eux? Non, on l'a ajoutée, c'est du vinaigre ou du citron. Voilà, donc c'est une eau étrangère et tu la sors, tu les sors. Du légume. Ça ressemble un petit peu à la lessive. Mais ce n'est pas la lessive, parce que personne ne fait la lessive à des légumes. Voilà, vous avez compris. On a compris. Les mêmes, pas tout à Balassour. Ils ne sont pas hayav. Abal patour mi korban, Abalassour mi drabban. Ushlakot et des légumes bouillis quand tu les presses, les goufan pour les manger comme ça, ou alors les mémen, ou bien pour sortir le bouillon, hein, le bouillon, les mémen, moutard les gamrés. Comme une soupe de légumes. Oui, quand tu as des légumes, un morceau. Oui, mais il a le droit de les manger, les presser et garder le liquide. Et même le jus. Oui. Shmuel Amar, Ehad Kevashim, Ehad Shlakot,
Les goufan mutar les mumehen patour abalasou. Tandis que Shmuel, il contrave, il dit, Nishlakot, c'est comme les kbashim, c'est comme les variantes. Quand il les presse pour les manger, c'est moutar. Il les presse pour avoir le maïm, le jus, c'est patour abalasour. Patour abalasour. Amarle. A Elohim, Enaira ou Velozar. Alors il lui a dit, Rabdimi, il répond à Abaye, lui dit, Enaira ou Velozar, mes yeux, mes propres yeux, et pas du tout les yeux d'un étranger. Ce n'est pas un étranger qui a vu, qui m'a raconté. Non, Enaï, moi-même j'ai vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Mais pour m'aider Rabbi Ermiya Shami Ali, de la bouche de Rabbi Ermiya, qui lui a rapporté tout cet enseignement non de Rabbi. Pour m'aider Rabbi Ermiya, Rabbi Ermiya me Rabbi Zira, Rabbi Zira me Rabhiya Barashi, Rabhiya Barashi me Rabbi. Donc c'est un enseignement qui vient directement de Rab. Y a-t-il des questions? Voilà, c'est une sougia. Mon kevet. Alors, Adonai le Olam, Amen ve Amen.